plonge. Cool, et on n'est pas dans le noir en arrivant. C'est vrai qu'on n'a plus aussi l'œil du geôlier. Du coup, là-dessus, on est beaucoup plus peinard. La guerre est imminente. La lame de deuil a arraché un fragment de son âme à terre. Sans lui, je crains qu'il ne puisse jamais guérir. Elle incarne l'équilibre du grand cycle. C'est dans la tristesse et la compassion qu'a pu renaître le cachet des fées nocturnes. Et avec lui, peut-être le brillant le plus fort. Tu vas te taire, oui. Les quatre congrégations sont réunies et l'espoir renaît pour l'ombre terre. Bon, c'était difficile à suivre avec l'autre qui parlait en même temps. Bon, et puis on va voir du coup Ténios, hein, ça a l'air d'être la suite. Alors, Oak... Oh putain, ça veut dire qu'on va peut-être devoir retourner dans le bastion. Vous savez que j'aime pas le bastion. Au cours de ses visions, Bolzar Fordragon a aperçu un caveau dissimulé dans les profondeurs de tourment où le geôlier confine les armes les plus précieuses à ses yeux. Uther a été frappé par une lame de deuil, une arme qui, maniée avec la rage nécessaire, peut briser une âme en plusieurs fragments tant que Zoval conservera une partie de lui, nous ne pourrons pas lui rendre son intégrité. Rendez-vous dans Tourment avec cet éclat harmonisé MDG Normand. Il devrait nous mener jusqu'au caveau. Une fois sur place, récupérer le fragment perdu et nous pourrons le rendre à son propriétaire. Récupérer le vestige justifiant l'ostuaire des bannis de Tourment. Le devoir est une forme de sagesse. Ok, ça je sais ce que c'est, hein. C'est pas une quête nécessaire. Ça veut dire qu'il va falloir que j'aille à Tourment là. Bah, Tourment c'est cool, mais c'est long. On l'a déjà fait plusieurs fois. J'espère qu'il va pas nous demander de faire un étage, quoi. Ah, d'accord, ok. Ah, ça m'a mis en instance. Bon, bah, on va se retrouver avec d'autres joueurs du coup. Non? Ah non, je suis tout seul. Eh ben, on y va. Bon, bah, plus 20% de hâte. Et endurance de 10%. Un enfant du bastion qui ne méritait pas sens tragique. Montrez-le.
comment retrouver la lumière. Je dois d'abord choisir une cible. Oh. Non mais allez, voilà. Ah puis on a une enclume de réparation aussi là. Ok. Je vous souhaite la bienvenue. Allez avec courage. Ah, bon bah. J'écoute votre offre. La transaction s'achève ici. À sans entrave, bien sûr, je n'en ai plus pour longtemps. Avant de succomber définitivement à cet endroit, je vais vous sembler pouvoir, mais vous semblez pouvoir l'arpenter en toute impunité. J'espérais que la boîte puisse en venir à bout. Mais je crains, hélas, de voir surestimer mes propres capacités. Je crois cependant ne pas surestimer les vôtres. Prenez la boîte et montrez-vous digne d'elle. Apportez la boîte aux 1000 tours au renommancien. Ok. Faites bien attention à vous. Bon, c'était une quête. C'est une quête secondaire. Ah, oui, puis il y a des... Dans quel temple étudiez-vous ? Le temple du PHP. Excusez-moi. Ainsi soit-il. Bon, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Ouais, j'espère. Oula, ouais, j'espère avoir assez de temps pour le faire ce niveau quand même. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai la pierre de soin. Si vous protégez, vous obtenez un talent, des amis. Bon, j'en sais rien ce que c'est. On va prendre. Et c'est vrai que j'ai mes pierres de soins.
et éventuellement, si je veux, ma pierre d'âme. On sait jamais. Pour le moment, ça a l'air de pas trop se présenter mal. Donc on va faire ça comme ça. Après, c'est vrai que les mobs que j'attaque là sont pas du tout élites. Donc dans l'ensemble, ça va. Oula. Lui, par contre, je vais me le faire. Qu'est-ce que j'ai? Je vais prendre ça. Amétia. Calix, l'archonte soit loué. Vous avez toute notre reconnaissance sans entrave. L'archonte vous guide. Oh putain, il se tire sans m'aider. Il se tire sans m'aider. Le sac. Le sac.
Ah, les pièges. J'aime pas ça. Dans 12 TP, lui. Salutations. Prenez. Il faut trouver Pentia. Ils n'ont pas pu l'emmener bien loin. Et puis, merci de m'avoir libéré. Ah bah quand même. Là. J'ai pas fait attention à ma vie. Je pensais que mon marcheur faisait le boulot. En fin de compte, ben, bof. Ah, j'ai pas vu. Encore un pouvoir d'anima. Augmente votre maximum de points de vie ou un flèche à montant égal de 20. Ah, mais je ne peux plus reculer. Ok, d'accord. Je ne peux plus appuyer sur ma touche arrière. J'ai pas vu. Oui, c'est perturbant de plus pouvoir reculer. J'avais pas dû prendre ce pouvoir. J'aurais pas dû prendre ce pouvoir. Je dois d'abord choisir une cible. Ah, j'hésite. Vas-y, tu fais le dégât. Ah putain, j'ai pris le... J'ai pas vu ça. Je n'ai pas de cible. Il me faut une cible. J'ai le truc qui m'empêche de rester sur place trop longtemps. J'ai pas fait attention que j'avais pris un pouvoir qui a cet inconvénient. Ah non, bah non, c'est l'effet de... Ah non, c'est pas ça.
Mais si je reste... Mais si je suis pas en mouvement trop longtemps, je prends des dégâts. Si je reste immobile trop longtemps. C'était sûr. Ça, je m'en tape. C'est là-bas. Je dois d'abord choisir une cible. Je n'ai pas de cible. Donc là, je me fais pas avoir. Trouver un meilleur endroit où se cacher. Merci pour votre aide. Ah, cool. Marchandises et services. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Ça, hein. Pour moi, il me semble que ça, de mémoire, captation de vie réduite. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Augmente la maîtrise. Critique. Augmente les dégâts infligés de 30%. Non, ça, c'est une potion. Pouvoir d'animal. Augmente le maximum de points de vie de 15%. Ça, c'est pas mal. Ça. Utilise et révèle une cellule d'anime. Non, non, oui, oui, alors ça, il y a ça. Vas-y, on va prendre ça. Charge de coup critique. Allez, il y a ça qui peut être sympa. Le truc des rats, hein, ça peut être pas mal. Allez, on va prendre ça. Est-ce que j'ai assez pour prendre? Ouais, j'ai assez pour prendre en plus une cellule d'anima supplémentaire. Rien ne sans valeur. Alors, qu'est-ce qu'on j'ai? Dégâts de trait de l'ombre plus 75%. Let's go. Bien, ce qui me semblait en fait, ces trucs-là, ça s'ouvre.
Je dois m'approcher. Ça, c'est vrai que je peux pas. Je peux pas reculer, ça c'est perturbant de pas pouvoir reculer. Hein. Bon, 18h10, de toute façon on va avoir fini. Et il faudrait du coup que je fasse la même chose pour Jaina. Ça date un petit peu, faudrait que ça soit fait depuis un bout de temps. Parce que en plus, voilà, j'avais un truc à ramener au Runome ancien de mémoire aussi. Donc on va juste rapporter ça au Runome ancien rapidement. Le pouvoir qui imprègne cette boîte ne peut être libéré qu'en l'alimentant en fierté et en souvenir. Sa trame renferme des incantations que j'ai vues utiliser dans d'autres royaumes pour siphonner ou conditionner une âme. Certes, cette abomination a utilisé ses outils de rédemption et d'honneur pour créer une serrure. À mesure que vous gravirez les étages de tourment, vos talents, votre vitesse et votre efficacité contribueront au savoir de la tour dont cette boîte se nourrira. En plus, c'est là pour accéder au pouvoir qu'elle scelle. Placez la boîte au mi-tour dans tourment. Bon. Gardez bien votre âme. Bon, ça c'est un. Ah d'accord, ok. Les gens les anciens, vous commencez. Vas-y, let's go. Je prends encore ou pas? Non, je vois plus. Ok. Sympa à savoir. Attends, lui, sa bestiole, elle fait du bruit. Bon, à prochaine destination, le bastion. Est-ce qu'on aurait le temps? Il me reste vraiment 10 minutes de tournage. Dans 10 minutes, il faut vraiment que j'y aille.
On va rendre la quête et on verra où est-ce qu'on en est. Enfin, et on s'arrêtera après avoir rendu la quête. Oui, non, mais c'est pas ça que je veux, c'est ça. Ok. Bienvenue en ces lieux. Ouais. Elle est encore 1000 mètres. 900. 800. 700. Nul 500. Ne rejoint les rangs des transcendés s'il ne maîtrise l'art de voler. 300. Voyons. Enfin, 400. Vous en sortez. L'influence des désavoués a jeté un doute sur la sagesse dont se prévaut mon temple. Je parlerai à mes acolytes, mais il nous faut d'abord rétablir l'ordre. Ah, bah je me rééloigne. Nul ne rejoint les rangs des transcendés s'il ne maîtrise l'art de voler. Oh, tue-toi. Voyons comment vous vous en sortez. Tiens, tu veux voir comment je vole ? Moi, je vole comme ça. Nul ne rejoint les rangs des transcendés s'il ne maîtrise l'art de voler. Voyons comment vous vous en sortez. Comme ça, ça te va ? Sans parangon de loyauté, nous ne pouvons forger de nouveaux cachets. Le temple grouille encore de désavoués. Comment y remédier ? Par le compromis et l'entente, je pense pouvoir vous y aider. Je suis prêt à vous aider. Apprenez du passé, mais vous cherchez à vous rendre utile. Alors, l'arrivée de l'âme meurtrie du Terre a été le catalyseur d'une longue série d'événements qui ont abouti à nos problèmes actuels. La confiance perdue de Deva, son implication avec Elia, l'ascension des désavoués, le bastion a besoin de changement, mais nous peinons
à trouver une solution à cette crise. Peut-être ce fragment d'âme pourra-t-il nous éclairer. Nous si servons mon âme le peut bien être commun. Restaurée, notre union avec les désavoués peut l'être aussi. Je cherchais des réponses. Je n'ai trouvé que la colère. Mon sort n'est pas encore écrit. Méfiez-vous, Uther. Jamais encore nous n'avons tenté une chose pareille. Je suis prêt à tout pour recouvrer mon intégrité. Il a besoin de nous. Aidez-moi, mes amis. Tenez bon, Uther. Laissez vos souvenirs couler en vous. Malheureusement, mes craintes étaient fondées. Ce fragment de l'âme d'Uther a été corrompu par la lame de deuil qui l'a tué. Et ses souvenirs ont été brisés et pervertis. La fameuse lame de deuil, hein, c'est deuil givre. Hein, c'est la lame du roi Lich. Pour surmonter sa douleur et son chagrin, Uther va devoir revivre son passé. Mais il n'est pas nécessaire qu'il le fasse seul. Avec mon miroir des âmes, nous allons pouvoir l'aider à traverser ses douloureux souvenirs et à accepter les émotions qu'on devons l'amener à voir au-delà des distorsions pour comprendre les vérités qu'elle recèle. Utilisez le miroir des âmes pour aider Uther à revivre son passé. On ne vous abandonnera pas, Uther. Il me reste 3 minutes. Nous sommes à la chapelle d'Alonzus, à Stratholm, le jour où je suis devenu le premier paladin. Ah, merde! Venez, Uther. Pour le coup, je connais. Que nous puissions commencer. Rassemblons-nous sous l'égide de la lumière. Par sa grâce, notre frère renaîtra. J'en parlais, Uther, de Stratholm. Jurez-vous de défendre les principes de la sainte lumière? J'en parlais, mais... Je le jure. OBS avait planté. Quels sont ces principes? Les trois vertus. Respect. Ténacité. Et... Et? Compassion. Dépasser ce qui nous divise. Et percevoir ce qui nous unit. Partager la douleur d'autrui, même si... Oh, Arthas. Attendez. Qu'est-ce que c'est, là, dans le coin? Ah, putain. Céréales suspectes. Ce sont les céréales infectées toute qui... Toute la ville doit être nettoyée. Comment? Comment osez-vous dire une chose pareille? Ces souvenirs s'entremêlent. Nous devons l'aider. Non, Cléa. C'est une épreuve qu'il doit surmonter seul. Parce que Stratholm est tombé parce que la nourriture a été contaminée. Hein. C'est le... Bon sang, Uther. En tant que futur roi, je vous ordonne de nettoyer cette ville. Vous n'êtes pas encore mon roi, mon garçon. Et je ne vous obéirai pas, même si vous l'étiez. Je dois donc vous considérer comme un traître. Un traître? Vous avez perdu l'esprit, Arthas?
C'est pas évident quand... Je dois d'abord choisir une cible. Je suis hors de portée. Il me faut une cible. Je dois d'abord choisir une cible. Tant pis, c'est drôle d'avoir Uther avec la voix de mon perso. Je n'ai pas de cible. Qu'est-ce que je dois faire? Putain, je dois buter des gens. Il faut que j'y aille. Je dois m'approcher. T'es quoi, t'es des... Il me faut une cible. Jr. Kisson, allez, je faut que je fasse ça très très vite. De toute façon, être peinard. On revit quoi le massacre de Stratholme quoi. Et c'est un donjon que je fais régulièrement parce qu'il loot pas mal de stuff. Je me suis remis à le refaire récemment. Ok d'accord, j'avais pas vu les points sur la minimap. Différent. Jurez-vous de marcher dans la lumière et de propager sa sagesse? Vos chagrins et vos regrets continuent de vous hanter. Et avec eux, Arthas. Jurez-vous de terrasser le mal en tout lieu et de défendre la veuve et l'orphelin? Je le jure. Levez-vous, Uther, paladin de Lordaeron. Et premier membre de l'Ordre de la Main d'Argent. Nul ne rejoint les rangs des transcendés s'il ne maîtrise l'art de voler. Voyons comment vous vous en sortez. Bien. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Et puis, bah, je vous dis à tout de suite pour vous, à plus tard pour moi. Bien, nous nous retrouvons au bastion. Alors, juste avant de continuer, non, je peux pas le prendre. Bon, voilà, je voyais qu'il y avait un coffre, mais voilà. Donc, on se reprend pour une nouvelle session de tournage. Pour moi, il s'est passé plusieurs jours. Vous avez des questions? J'ai vidé quelques donjons, voilà, j'ai des reventes en cours. Voilà, c'est... mais il va falloir que... Là, j'étais pas là ce week-end, du coup... j'essaierai de passer un petit peu tous les soirs sur WoW, essayer de me vider de 3 donjons tous les soirs avec le Brutosaur. Pour, voilà, quoi. Pour rattraper très vite mon nombre de PO, et puis voilà, quoi. Trouvez votre pureté.
Enfin bref. Après, maintenant, en vrai, le pognon, c'est pas ce qu'il y a de principal. En vrai, si on récupère du pognon, ce sera pour s'acheter éventuellement du stuff à l'HV plus haut niveau. Faut que je regarde ce qu'il y a d'ailleurs, mais voilà. Mais on va continuer. Uther est hanté par le souvenir du prince Arthas. C'est par sa faute que l'âme d'Uther a été fragmentée et que Deva s'est détournée du droit chemin. La souffrance associée de ses souvenirs est palpable. Il nous faut creuser la question afin d'amener Uther à se confronter à cette source de ténèbres. Une fois encore, vous allez devoir vous aventurer dans son passé afin de préserver son avenir. Aider Uther à revivre son deuxième souvenir. Continuez. Nous sommes avec vous, courage. Uther. Tenez bon. Donc on revit énormément. Arthas, qu'ai-je fait ? Voilà. Donc on revit énormément de choses du coup, alors qui sont dans le lore de World of Warcraft. Je ne suis pas sûr que ces scènes-là soient dans World of Warcraft, alors elles sont dans les donjons du temps qui se trouvent en Tanaris. On peut revivre ces trucs-là, mais il faut savoir que cette histoire-là en fait prend ses bases dans Warcraft 3. Donc le jeu qui existait avant World of Warcraft. Faut savoir que Warcraft, qui existait avant World of Warcraft, bah en fait l'histoire, en fait World of Warcraft est la suite des histoires de Warcraft. Mais je n'ai jamais joué à Warcraft. J'ai encore à réfléchir. Vous êtes nerveux, Arthas ? C'est le jour où Arthas est devenu paladin. Je m'en souviens, comme si c'était hier. À vrai dire, oui. Voir votre dévotion à la lumière me renvoie au doute qui étreint mon cœur. Vous m'avez tant appris, Uther. Mais parfois, je me demande si je suis vraiment fait pour cette voie. Bien des espoirs pèsent sur vos épaules. Vous surpasserez ces attentes, je le sais. Tellement pas. Mais pour l'heure, un petit combat amical vous éclaircira les idées. Alors merci Premier. Oui, ça marche toujours. Non, je n'ai pas su l'écouter. Si j'avais su. Vous vouliez simplement rassurer un disciple en détresse. Personne ne peut vous le reprocher. Allez dire ça à tous les innocents qu'il a massacrés par ma faute. Vous l'avez guidé sur la voie de la justice. Ce n'est pas votre faute s'il s'en est écarté. Que la lumière me pardonne. Ok. Nul ne rejoint les rangs des transcendés s'il ne maîtrise. Oh ta gueule toi. Ah oh, je te jure. Voyons. Cette. Je vais vous montrer le chemin. Cette expédition là, elle est chiante. Transcendez. C'est tout ce que j'espérais. Je cherchais des réponses. Je n'ai trouvé que la colère. Ce n'est pas encore terminé, MDG Normand, il me reste un dernier souvenir à explorer, un dernier traumatisme à affronter. Ce ne sera pas facile, je vais encore avoir besoin de votre soutien. Quoi qu'il en soit, il faut en passer par là. Aider Uther à revivre ce dernier souvenir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire de World of Warcraft, voilà, je vais un très vite résumé de l'histoire. Du coup, Uther, c'était le maître d'armes du roi... Valran, me semble-t-il, et c'est lui qui a formé Arthas. Arthas, qui était donc le chevalier et fils du roi, du coup, Valran. Et voilà. Et malheureusement, Stratholme a été empoisonné. Arthas a utilisé le roi Lich avant
Arthas, du coup, a utilisé son fléau pour que tous les contaminés deviennent bah, du coup des morts-vivants. Voilà, et du coup, de Stratholme a comment en gros, ça a été c'est un bordel sans nom, hein. Mais en gros, ça a été un des points de départ de la grande attaque d'Arthas. Ce qui a fait que ben le Il faut arrêter les désavoués. Hop, mince. Toc 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 toc, Azeroth, le royaume de l'Est. Ce qui fait que tout le nord du royaume de l'Est, c'est pour ça que c'est assez dévasté. Que la clairière de Tirisfal, les Maltères et les terres fantômes, ainsi que les bois des champs éternels, hein, qui est le fief des elfes de sang, est traversé par la Malbrèche. C'est parce que en fait tout ça c'est une énorme cicatrice de l'attaque d'Arthas et notamment un des points de qui d'attaque de d'Arthas ça a été ici Stratholme. Mais il a et il est remonté vers l'une d'argent. Donc il a Stratholme, il semble que c'est le point de départ hein, de l'attaque. Du coup, l'armée d'Arthas a remonté vers le. Enfin, s'est séparée en deux et est partie vers le nord et vers l'ouest. Enfin, c'est pas Arthas, c'était encore l'ancien roi Lich. Sauf que dans ce combat, Arthas est devenu le roi Lich, a pris la place du roi Lich. Alors, je sais plus dans quel contexte, parce que c'est assez compliqué. Mais il faut savoir que lors de l'attaque de Stratholme, Arthas est devenu le nouveau roi Lich. Voilà. Alors, c'est pas que l'ancien roi Lich a été vaincu. Hein. Il me semble pas que ça. Il me semble que vraiment le roi Lich a mis fin à son règne et a fait de Arthas le nouveau roi Lich, quoi. Mais voilà quoi, il s'est débarrassé de sa malédiction et l'a refilé à Arthas, quoi. C'est plus ou moins ça qui s'est passé, à ce que j'ai compris de mémoire. Et donc voilà. Et donc Arthas est devenu le nouveau roi Lich. Et pendant que l'armée progressait à l'ouest, Arthas, lui, s'est rendu aux portes de l'Une d'Argent. Et c'est là qu'il a notamment affronté Sylvanas. Et que Sylvanas, et que donc Arthas a transpercé le cœur de Sylvanas avec de givre, et que donc Sylvanas est devenue la Banshee qu'on connaît par la suite, quoi. Et donc là, après voilà. Après que Arthas ait été quand même repoussé du royaume de l'Est. Bien que voilà, les cicatrices restent visibles, hein. On a toujours la Malbrèche, on a les Maltères qui sont dévastés, on a la